Pierre Garnier, Star Academy, malade, il annonce une très mauvaise nouvelle à ses fans. Surbooké depuis son sacre sur le plateau de la Star Academy, Pierre Garnier a malheureusement été contraint de prendre une lourde décision pour les deux prochaines dates de la tournée. Le jeune chanteur paye le rythme effréné de ses nombreuses activités. Les élèves de la Star Academy 2023 sont pris dans une machine à laver, à laquelle le mode essorage a été volontairement omis. Depuis leur sortie du château de Damary-les-Lys, sept d'entre eux doivent combiner une tournée marathon aux quatre coins de la France et leurs projets personnels. Un rythme éreintant qui a contraint certains d'entre eux à prendre des décisions regrettables. La fragile Lenny a dû renoncer à un concert dans son sud natal pour des questions de sécurité, quand Candice, réalisatrice de vlogs sur les coulisses de la tournée, a réduit la voilure. Et que dire de Pierre Garnier, la coqueluche des Français depuis son sacre en février dernier? Tout en sillonnant les routes de l'Hexagone avec ses camarades, le Normand doit assumer le triomphe de son premier single « Ce qu'on était », longtemps en tête des charts. Et son tout premier album, annoncé pour le 7 juin 2024, va indubitablement le relancer sur le boulevard du succès. Il doit renoncer à plusieurs concerts. Pour parfaire son projet, l'acolyte des Elena n'a pas lésiné sur les efforts, soucieux de sortir un produit abouti et qui lui ressemble. Très convoité, il répond aux nombreuses sollicitations pour faire écouter ses sons, comme récemment à Cannes pour le Festival du cinéma. En revanche, Pierre ne pourra pas honorer l'invitation de Sweet FM, une station de radio basée au Mans. Il y était attendu ce jeudi 23 mai 2024 pour donner un concert et une interview, mais a dû annuler son déplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais il nous l'a promis, il reviendra très vite pour un showcase exclusif, rapporte le média. Un coup dur à quelques jours de la sortie de son premier album. Dans la foulée, la tête d'affiche des stars académiciens a annoncé son forfait pour les deux prochaines dates de la tournée. Malheureusement, si Jay réussit à assurer le show hier soir à Caen, ma voix est fragilisée et les médecins que Jay consultait m'ont indiqué que je devais impérativement ne pas chanter ces deux prochains jours. Je ne serai pas donc, à mon grand regret, présent sur scène ce soir et demain soir, a-t-il écrit triste et frustré. Une décision prise à contre-cœur pour préserver sa santé, alors que des échéances importantes se précisent. Je dois me rendre à l'évidence que ceci est essentiel pour pouvoir revenir en meilleure possession de mes moyens vocaux et continuer à vous donner chaque soir autant de ma personne, a ajouté le jeune artiste de 22 ans sur les rotules. De bonnes nuits, et ça repart.